Boker Tov, Hashem Hashem Naseh. On est aujourd'hui le 9. Et pourquoi j'y connais le 9? Parce que demain c'est le 10. Et le 10, c'est le jour des payes. Donc ceux qui peuvent aider, vous avez encore une journée. Bezrat Hashem pour le Kollel. Et vous avez le site, rappelle-moi un petit peu comment il s'appelle. Chesed Box. Ça passe par le biais de Torah Box pour construire le Bet Midrash. Celui qui veut nous aider à construire ce Bet Midrash pour l'élévation de qui il veut, pour la réfoua de qui il veut, un lieu qui sera 100% Torah et qui aimera la Torah de tous les Juifs. Tant qu'on parle de Juifs. On remerciera aussi pour cette journée. Je n'ai pas de nom, j'ai une société, The Upside Pan, donc qu'on remercie pour leur soutien. Skulumzot Masim Tovim, Alexandre Parianti, Toda Rabba, Mikol Alev, Skulumzot Masim Tovim, une grande réfoua à Shlema pour, juste un instant, David Ben Aywisha, Kadosh Baruch lui allonge la vie, Be'ezrat Hashem, une bonne santé, V'emaneh Kadosh Baruch Hu Kol Mishalot Libo, L'Avodatot Barach Bakom Mikol Kol. Shnia Achat Tzadik, j'ai pas fini, j'ai aussi une liste. Ken, Refuah Shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam, Moratim HaKdosha V'Teora, David Chaim Ben Noah, Talia Bat Efrat Miriam, Chaya Bat Miriam Aikara, Johanna Yafa Bat Shemesh, Shimon Ben Rahmuna Alush, Yehuda Ben Eliyahu, le papa de Adam, qu'il ait une bonne Refoua Shlema, le papa de Orly, j'ai oublié son nom, que je me pardonne, je n'ai pas tous les noms de tête, Veyezeu Kol Chole Israël, hein? Léa Batrosa. Top. Faudrait que je note. À chaque fois, les papiers passent d'un endroit à l'autre. Et c'est aujourd'hui un jour spécial, puisque c'est demain le Yom Houledet Sameach de Mordechai Dré, à qui on souhaite beaucoup de bonheur, une longue vie, un homme dévoué à la Torah, à son peuple, au judaïsme. Vraiment, Kol HaKavod. On est dans les lois de Shabbat, on est mardi. Mardi, c'est Léa Lachot. Bientôt, on quittera les lois de Shabbat pour passer à autre chose. Aval Lanou, Bechol Ofen, Shiniske, Lagdil Torah Adirah, on remerciera aussi Asher Cohen, toujours présent pour cette belle image que tu nous proposes grâce à ton portable. Voilà. Donc, que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem te montre toujours ton chemin, puisque c'est toi qui éclaires le chemin des autres. Sans oublier qu'à l'origine de tout cela, eh bien, il y avait Jérôme Sanigou, il y avait Shlomo Ayakar, il y avait Adam, qui étaient avec leur caméra, et aujourd'hui on est passé directement à cet appareil qui fait le même travail et qui est beaucoup plus rapide que les gros micros qu'on avait avant. Voilà. Plus on avance dans le temps, plus ça devient petit et efficace. Vous avez remarqué. Tov, alors je vous propose deux études. Ou, à qui est-ce qu'on doit être Mechalel Shabbat, plein de lois que vous ne connaissez pas, première chose. Ou, Diner Rechitza, Be Shabbat, c'est des questions qu'on me pose encore Shabbat. On me pose la question, est-ce qu'on a le droit de laver un bébé pendant Shabbat, pas laver un bébé? Dans quelles conditions? Choisissez le titre. Ou, qui est-ce qu'on peut sauver pendant Shabbat? Dans quelles conditions on peut le sauver? Ou, Diner Rechitza be Shabbat, est-ce qu'on peut ou pas laver pendant Shabbat? On fait moitié. Non, c'est impossible, il y a beaucoup à faire. Ah bien cher. Rechitza be Shabbat. Allez, on y va. Assur lechot kol gufo be Shabbat, on n'a pas le droit de se laver tout le corps pendant Shabbat, prendre une douche. Afilou kol evar ve evar levad, mais ce n'est pas le cas de Yom Tov. Yom Tov, on peut se laver tout le corps et même à l'eau chaude avec le douchemesh qui mouvan. Bemaim chamim, afilou shu chamou mirev Shabbat. Et si maintenant tu viens me dire que l'eau chaude que tu vas prendre pour Shabbat, elle a été chauffée avant l'entrée de Shabbat, zegam asur, c'est un interdit. Pourquoi ce serait interdit d'après toi? Je l'ai dit, pourquoi ce serait interdit? Baruch. J'ai. Pas Jérôme, c'est l'autre. Hein? Bijouk. De peur que si tu viens chauffer l'eau pendant Shabbat, tu en viens à chauffer. Donc de peur que si tu te laves à l'eau chaude, tu en viens à torqueder pendant que tu te douches à l'eau chaude de l'Echamem. Alors aujourd'hui, ça fait un peu bizarre, mais l'Echamem. Comment je pourrais chauffer de l'eau? À l'époque, on chauffait de l'eau avec des Gechalim, on chauffait de l'eau avec du siphon. Il y avait plusieurs chitotes. Siphon d'eau chaude, comme c'est maintenant la Gemara. Aval mutar lechotz panav yadav regalav vehamin shu chamum erev Shabbat. Aval, cependant,
On a le droit de chauffer de l'eau. Pardon, on a le droit de se laver le visage, les mains et les pieds pendant Shabbat. Vechen mutar l'chot evarim acherim shebagu bilvad shiyum ut gufo velo rov gufo. Si maintenant je veux laver seulement le pied, ou je veux laver seulement la main, ou je veux laver seulement le cou, zemutar, c'est permis à l'eau chaude, à la condition où c'est evar, evar, membre, membre, et pas tout en entier. Ça veut dire vraiment juste nettoyer le lieu qui me dérangeait. Chamin shukhmu be Shabbat, afilu shukhmu be eter, kegon shinicham al gebe meham al ha'esh, ukhmu ksat asur, l'chot b'em afilu evar evar echad. Mais si cette eau-là était mise pendant Shabbat pour être chauffée, shukhmu be eter, bien entendu, sur la plata de Shabbat, je n'ai pas le droit de prendre cette eau-là pour me laver, même si c'est un membre, un membre. Adam shemitztaer, il y a des gens qui sont isthénis, comme moi, c'est un peu mon cas, moi je me lave tous les jours, je ne peux pas. Une fois, comme ça, je suis rentré dans mon lit un peu fatigué, mais vraiment fatigué. Je me suis levé à 2h ou 3h du matin prendre une douche. Pourquoi ? Je ne peux pas. Il faut que je sois propre. Isténis anochimonias. Il faut être propre dans la vie. C'est très important d'être propre, pas d'apparaître propre, mais que soi-même, on est propre. Car la Shekhina ne repose pas sur des gens qui sentent mauvais, qui transpirent ou qui sentent le fauve. D'abord, ça dérange les gens. J'ai eu des shlom bayit où les femmes venait me dire qu'elle ne se donnait pas à leurs époux parce que le mari, il rentrait comme un petit cochon dans le lit, alors que ce n'est pas simplement une question de que vaut de la briotte. Non, ce n'est pas une blague. Il y a des gens, la vérité, ils se lavent, ils savent pas. Ils travaillent, ils sont crevés, ils transpirent, ils sentent le fauve à des distances impossibles. Shem Erachem Veishmor. Je ne vous parle pas des pieds et du reste. Shem Erachem. Sachez une chose, hein? C'est un cas de divorce. Ben écoutez, c'est pas une blague. Il y a une femme qui a fait divorcer à cause de ça et le mari l'a pris celui de sur la vie une fois sur deux. Il y a des gens comme ça. À l'époque, sache une chose. À l'époque, de nos grands-parents, ils se lavaient une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. C'était pas courant de prendre une douche. D'ailleurs, il n'y avait pas de douche dans les maisons à l'époque. On allait aux toilettes au fond du couloir et on se lavait dans une espèce de bassine, un peu les membres. Les gens ne se lavaient pas. Et il y en a d'autres qui se lavaient à l'eau de Cologne. Et franchement, ça fait gerber. Il faut prendre une douche tous les jours, faire très attention à être propre et n'oubliez surtout pas un détail, pas simplement vis-à-vis d'Hachem, parce que le créateur du monde nous demande d'être propre vis-à-vis de la bria. C'est-à-dire que c'est très agréable quand tu es un homme, que ta femme rentre douchée, propre dans le lit, et que toi-même tu rentres propre, tu t'assois, et pas le halen velo alechem. Je ne vais pas rallonger l'histoire, mais enfin bon. Hier, j'ai pris une personne en autostop. Une personne qui m'arrête comme ça en autostop. Donc moi, je roulais direction Batiam pour faire mon cours. Et donc, je lui propose direction Batiam. Et la personne rentre dans la voiture. Et là, ce n'était pas possible. J'ai fait une misva. Mamash des rabanan d'oraita de la Torah. J'ai fait misirut nefesh. Très très mahmir. C'était... Hein? Finalement, je l'ai pas. Ben écoute, c'est un miracle, Salomon, parce que le mec me dit d'un coup, tu sais quoi, laisse tomber, tu peux me déposer bientôt à la station après, sur l'autoroute, comme ça, à la station? Je lui dis, oui. Ah, il m'a tué. J'avais, tu sais, les hauts et les cœurs. Et c'est dommage. Je me suis posé la question, quand il est rentré chez lui, comment ça se passe, quoi? Je veux dire, il va se doucher. J'ai voulu poser la question, ça va? Ah, ben, ben, mec, des fois, c'est l'été, il fait chaud, on a couru, je parle pas. Ben, Yesh. Les gens, ils sentent le... C'est, je ne veux pas mêler de leurs oignons, mais ça sent l'oignon. L'homme, il va se doucher, d'être propre. On fait un cours sur la propreté. Et sachez une chose, comme ça, vous le saurez une fois pour toutes. La Shekhina ne peut pas reposer chez quelqu'un qui est sale. And, regardez Peleyoet, c'est pas moi qui l'enseigne. Regardez la Gemara sur ça. Une tâche, un Tamit Racham, il est plus Tamit Racham. On est Chayamita. Chashuv meod d'être propre. Bezrat Hashem. Donc, quel est le cas d'une personne qui est esthénis? On a vu par exemple dans la Gemara Maseret Brachot, Rabban Shimon ben Gamliel, qui était en deuil. Vous savez que pendant le deuil, on ne se douche pas. D'accord? On sent le fauve pendant 7 jours. C'est désagréable. On peut s'essuyer les endroits intimes ou suspicieux d'être super désagréables, comme les dessous de bras et autres, avec des lingettes. Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il perd quelqu'un, il est en deuil, et puis il va prendre une douche, le mec. Cool. Ça, tu veux? Il dit, l'oli matin, Rabbeinu, tu nous as pas appris qu'on n'a pas le droit. Il dit, ouais, mais istenisani. Je suis précieux. Moi, je peux pas.
Je peux pas. J'ai la Torah en moi, elle est trop précieuse. Donc pendant le deuil, il est parti se doucher. Isténis. Il s'est autorisé à lui-même. Hein? Il s'est autorisé à lui-même. Quand tu seras Rabban Shimon Ben Gamliel, tu seras ce que tu veux. Tu veux te comparer à lui, Yatik Oujik? Tu veux jeûner pendant 10 jours ou quoi? Tu veux crever ou quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Aïwa, Rabban Shimon Ben Gamliel, à son niveau à lui, tu sais, ça me rappelle le Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai Eliyahu, quand il y avait la Khazara, je priais avec lui pendant une petite période à Jérusalem, quand je vivais à Jérusalem, Tibanev et Tikonen. Et je voyais, dès qu'il y avait la Khazara, il s'asseyait. Et moi, j'ai dit une fois à un de ses élèves, je lui ai dit, Oufren, le rabbi, il s'assoit pendant le retour de la Khazara. Je sais que Minadine, c'est Mouta. Malgré comme ça, il m'a dit, Ramon de Khalio, qu'il soit debout, assis ou allongé, à son niveau, lui, c'est pareil. Quand tu atteins des très très hauts niveaux, Zekbar lo mechane miata de maata. Tov, Adam Shemitzaer, Adam Shiragil, il trachetz kol gufo, mamash bechol yom, il ne peut pas. Shimlo, il trachetz be Shabbat kol gufo, il tstaer meod, et s'il ne se lave pas pendant Shabbat, c'est pas onek Shabbat, il ne pourra pas vivre son Shabbat, il n'est pas bien. Mutar lo lichotz et kol aguf, gam be Shabbat de maim chamim, shu chomu merev Shabbat bilvat shizer shelo yisrot se'arotav. Dans ce cas-là, les filles à l'alakha, selon l'alakha, si la personne, par exemple, je prendrai le cas d'une personne qui a eu des dérangements, ou d'un coup qui est vraiment mitzta'er, ou qui a l'habitude de se laver tous les jours, tous les jours, tous les jours, dans ce cas-là, même pendant Shabbat, ce sera permis pour lui de se laver, même à l'eau chaude qui a été réchauffée avant l'entrée de Shabbat, tout le corps. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils disent qu'il ne pourra pas kiffer son Shabbat. Et Shabbat, toute la mitzvah du Shabbat, c'est d'être heureux pendant Shabbat. Pas de dispute, pas de rasra, pas de je suis pas bien, j'en ai marre. Pff, pas de ça. Donc dans ce cas-là, Moutar lo lilchotz kol gufo. Moutar, dans ce cas-là. Mais on parle de celui, pas que le lundi arrive, tu vas te doucher, je suis fatigué. Ah, putain, vous allez m'offrir. Allez, ha. Maintenant, ça ne dérange plus. Celui qui bémet est précis dans ce domaine comme une horloge, qui ne supporte pas de sentir mauvais, il est isténiste, on dit, asken yé mouta. Pendant Shabbat ou après Motsi Shabbat? Si Motsi Shabbat, il n'y a plus de questions là. Pendant Shabbat, alors le froid alors? Non, il vient de le dire un jour. T'étais où là pendant que je parlais? J'ai été réchauffé avant. Juste un instant. Avec le sac. Ah voilà, donc tu discutais. C'est bien ce qui me semblait, parce que le cours est enregistré, tu pourras revenir dessus. J'ai dit, pendant Shabbat, à l'eau chaude, réchauffé Beref Shabbat. S'il est vraiment mitzta'er, vraiment c'est compliqué pour lui. Mais pas qu'il ne fait pas les choses sur une... Quelqu'un est venu du foot pendant Shabbat, il me dit, j'ai le droit d'aller me doucher. Je lui ai dit, qui t'a dit que tu as le droit de jouer au foot? La ville de Shimon dans la Gemara a été détruite parce que les gens jouent au foot pendant Shabbat. On ne joue pas au foot pendant Shabbat. Tu as 6 jours pour jouer au foot. Je t'explique. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu peux jouer au foot. Shabbat, tu vas étudier. C'est là. Ritzat Tinok. Ah, c'est la question qui m'a été posée cette semaine. Les bébés. Alors eux, les bébés, eux, ils sont cool. J'adore les bébés parce qu'ils font sur eux et ils te font des sourires en plus. Tiens, j'ai fait une diarrhée. Ils ont pas de gêne, ils sont bien. Voilà, comme ma femme qui vient, que Dieu la bénisse, changer sa petite fille. Au moment où elle met la couche, psst, elle fait la fontaine. Et elle est morte de rire, la petite, en plus. Ça ne dérange pas, c'est cool. Ils n'ont pas de gêne, heureusement d'ailleurs. Timoutar, Oassour, d'après vous, Tinok, qui a fait Mitzoato, Bemaim, Chamim, Shouchmou, Bedoud, Shemesh, Beshabbat, Mikom, Akom, Izaru, Shelo, Lavo, Lide, Sritat, Aserot. La seule chose qu'on nous demande, est-ce qu'on a le droit ou pas de laver un bébé pendant Shabbat? Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Oui. Oui. Michael? Oui, Bétar. Un bébé, on peut le laver pendant Shabbat. D'abord et avant tout, ce n'est pas une réponse si facile que ça à donner. Bah, oui, comme vous dites, c'est, regardez bien, Moutar le Chotzinok Mitzoato. Quand il a fait sur lui ses besoins, c'est-à-dire que si maintenant l'enfant vraiment il est sale et que ça le gratte ou autre, on a le droit, Bemaim Chamim Shurmu Bidout Shemesh. Par le Dout Shemesh, ça veut dire, comment on dit le Dout Shemesh en français? Un ballon d'eau chaude, voilà, qui chauffe pendant Shabbat, mais comme à comme, fais attention. Ils ont chez la volée des srita se'arot. On fera attention, comme pour celui qui se douchera à Shabbat, même à l'eau chaude s'il est isténis, c'est-à-dire si vraiment il est précieux. Mais on a le droit de laver le bébé pendant Shabbat. On fera juste attention aux cheveux de ne pas les clochotam, de ne pas le faire tomber. C'est là. Mais dans le cas où l'enfant vraiment est sale, mais si l'enfant il est propre et que tu l'as lavé juste avant l'entrée de Shabbat, surtout en hiver, et tu vas le laver après Shabbat. Il n'y a pas un mort d'homme s'il n'est pas lavé pendant Shabbat. Sauf si, bien sûr, il a fait une diarrhée, ou il a fait une catastrophe, ou il s'est sali, ou ça le gratte, il n'est pas bien. Dans ce cas-là, oui, c'est permis de lui faire prendre un petit bain au bébé Zeletzorech Goufo, le bébé Seder. Maïm Karim,
avec de l'eau froide, est-ce que je pourrais me doucher? En été, c'est très agréable en Israël, grâce à Dieu, il y a presque 10 mois d'été, 9-10 mois d'été, il fait très chaud. Baruch HaShem, les Mazgan marchent très très fort pendant 10 mois. Et la Chevrat Hashmal est très heureuse. On peut le dire. Moutard ou Assour, dans ce cas-là, de se laver à l'eau froide tout le corps pendant Shabbat. Tout le corps, promis, c'est s'essuyer. Il y a un problème, le fait que ce soit tout le corps. Après, c'est le se faire sécher. Se faire sécher. Pas tout le corps, je crois. Non, vous savez, par rapport aux cheveux, avec le shampoing, qu'on va. Quel shampoing t'as avec tes. On va presser un peu comme ça, quand on se lave les cheveux, ça. On va y arriver au savon. Moutard, les rots, col gouffo, bémaim karim, comme à comme zère chez l'eau, yavo l'idée, srita, tsehar. Attention de ne pas serrer nos cheveux, mais on a tout à fait le droit de se laver à l'eau froide pendant Shabbat, tout le corps, et c'est ce que je fais en général, moi, le Shabbat, surtout avant de venir le cours, pendant l'été ou Shabbat. Baruch Hashem dure longtemps, parce que les jours sont plus longs, parce que là, en hiver, je ne sais pas comment passer Shabbat, mais c'est très difficile. C'est vraiment la course, tu n'as pas le temps de rien, tu fais un Dvar Torah, hop, tu te lèves, hop, c'est le cours, hop, c'est Ouda, Shishit, Mincha, Arvit, Shabbat, l'hiver, je ne le vois pas. Et quand tu me dis, ouais, mais attends. Tu sais pourquoi tu as Shabbat l'hiver? Parce que comme tu as eu beaucoup de jours pendant plusieurs mois, il va falloir que l'hiver, tu aies autant de nuits. Le problème, c'est que le vendredi soir, après ton repas, tu es knock-out. Tu as un sommeil de Shabbat qui vient te prendre. 8h30, c'est au lit. C'est un truc de fou. Tu t'allonges sur le fauteuil avec ton livre comme ça, style tu vas étudier, t'es bien, hein? Et c'est ce qui s'appelle Maseret Halamot. Exactement, tu piques du nez. Pac! Alors que pendant la semaine, à 9h, 9h30, tu vas dormir avec quelqu'un, pourquoi je suis malade? Jamais avant 1h du matin, à minuit, allez. Là, à 8h30, t'es. Si. Donc, tu étudies rien du tout. Mais tu te reposes, par contre, tu es bien. Vous savez pourquoi on arrive à dormir à 8h30? C'est le seul jour où on n'a pas le droit de toucher nos portables. Hein? On répond à personne, on est bien. Avant, on se couchait tôt. Après les shadoks, t'allais te coucher, toi, non? Hein? Mais comme à quoi, misère, chez l'eau, il y a voulu des srites. Rissit Sabayam, est-ce que j'ai le droit de rentrer dans l'océan, dans la mer, Shabbat? Aïe Mouta ou Assour? Assour, l'isrot, bayam, d'ayenu, shoker, aglav, minamaim, bechat, alpene, amaim. On n'a pas le droit de retirer nos pieds du sol de l'eau et de nager dans l'eau pendant Shabbat, à Sol. Comme par exemple une piscine. On va y arriver, c'est encore autre chose. Pour l'instant, on est Bayam. Aval mutar lichos Bayam, kamur l'velo akirat raglav. Mais si je rentre dans l'eau pendant Shabbat, mais que je n'ai pas décollé mes pieds du sol, du sable, ce serait permis. Et gam lo ikanes imbegediam, il ne rentrera pas là-bas avec un maillot de bain. Et là, imken asui menailon, sauf si son maillot de bain est constitué, non pas d'un tissu, mais d'une nylon, c'est-à-dire une matière qui n'absorbe pas comme une éponge. Vechenzer, kshayotse miayam, fera attention en sortant s'il est rentré dans l'eau, shelo italtel amayim shalav arba amot, qu'il ne vienne pas déplacer au-delà de 2 mètres chaque fois qu'il marchera des gouttes d'eau. Pourquoi? Parce qu'il passerait de din de reshut à reshut, exactement. Et là, Yamtin Hachitiabesh, il devra attendre sur place de sécher. Sha'alav, Azrachal Alechetim Komo, et seulement après, il pourra marcher, continuer son chemin. Comment il fait chez soi après la douche? Il faut attendre pour le faire? Non. Après la douche, dans ce cas-là, il se secoue, et il prendra une serviette épaisse, et on fait comme ça, sans appuyer. On fait pas, on ne s'essuie pas, comme on ne se frictionne pas avec la serviette. C'est bien? Pour quelle raison, d'après vous, il rentrerait dans l'eau pour mettre ses pieds dans l'eau et repartir à attendre 3 heures, le mec? Mikvé. Mikvé, tout simplement. C'est là. Et mettre la mytho, je ne conseille pas de faire ça pendant Shabbat. Je ne conseille pas. C'est là. Si c'est Mikvé, donc il y a une méchila, mais il n'y a pas de problème de maillot de bain. Il y a cette serviette qui l'attend à la sortie. C'est l'air. Ah bah, zélo méchané. Mais s'il ne lève pas les pieds, il Il ne va pas rentrer nu dans l'eau, il va rentrer avec son slip et là-bas il descend son maillot de bain et voilà. À un moment donné, il va lever les pieds du sol. Pourquoi? Ah, Katouv, il ne doit pas lever les pieds du sol et l'isrot. Ah, voilà, si c'est le sorech mitzvah, c'est beseder. Rechitza babrecha, peut-on rentrer dans une piscine pendant Shabbat?
Le Rav Yitzhak Yosef ramène dans le Hilkout Yosef ses commentaires en bas, 9 interdits basés sur le Rav Ovadia Yosef. 9 raisons pour lesquelles on ne doit pas rentrer dans la Brecha, même si Min Adin c'est permis. Pourquoi ? Parce qu'il y a une Safa tout autour de la piscine. Une Safa, c'est-à-dire il y a un rebord. D'accord ? Donc dans l'absolu, oui, ce serait permis. Le Rav Ovadia enseigne dans Chazan Ovadia, Veyesh le Rot chez Asur. C'est-à-dire, si on te pose la question, est-ce qu'on peut ou pas, tu diras assou. Même si de l'autre côté, si tu remplis les 9 conditions, ce serait permis. D'accord ? Donc, comme ça, il dira Vadia, celui qui veut le suivre, on ne rentre pas dans la piscine pendant Shabbat. Et c'est quoi, pourquoi on parle de c'est marqué dans la Gemara, Sfat HaShayatim, c'est à Chavit. Chavit, c'est comme une espèce de tonneau tout autour. Parce que tu ne déplaces pas de Reshout à Yachid, de Reshout à Rabim. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un din de carmélite, c'est un sujet pour lui-même, c'est un sujet, c'est un lieu qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Tu déplaces, quand tu sors des gouttes, d'un lieu à un autre lieu, comme l'histoire de la mer. Donc s'il y a une safa tout autour, c'est-à-dire une espèce de, comment on appelle ça en français ? Bordure. Ce serait permis dans l'absolu, d'accord ? Puisque l'eau renvoie dans la piscine, l'eau qui tombe. Brecha shenimset bechatser shemukaf mechitzot, donc qui est entouré bien entendu de, tu es dans une cour. Yesh la safa, et voilà, il le dit. Yesh safa misaviv. Shen amaim yotzim chutz la brecha. C'est-à-dire, si tu sors là-bas, les gouttes qui tombent ramènent l'eau dans la piscine. Mutar li chutz ba, shenirchav kemo keli. Donc, s'il y a maintenant, par exemple, une fois j'étais à l'époque chez André Saada, et lui il avait fait construire en Guadeloupe la piscine, elle rentrait dans le salon. Mais il n'y avait pas de safa. Ça veut dire que si tu marchais tout droit, tu passais du carrelage directement à la piscine. Il y a une très belle maison que Dieu lui rajoute. Amen. Dans ce cas-là, c'est complètement interdit pendant Shabbat. Pourquoi ? Il n'y a pas de safa. Aujourd'hui, les piscines des riches n'ont pas de safa. En général, les gens qui sont très riches, il n'y a pas de débordement. À débordement. Oh, elle est saoulée. Elle déborde. Fais ce qu'elle veut, ok. Les belles piscines, c'est quand c'est comme ça à plat. Ces piscines-là, va dire qu'il n'y a plus de questions, puisqu'il n'y a pas de safa, il n'y a pas autour de rebord. D'accord ? Donc il dit comme ça. Veyesh la safa saviv, shayena meim yotzim chutz la brecha. Donc il explique ici pourquoi. Parce que l'eau ne sort pas de son contexte. Mutar lechotz ba shenirchav kemo keli. Cette piscine-là, elle indigne comme un verre, qui devient un keli, parce qu'il y a une safa tout autour. Ve'en l'ixod. Ven l'ixor shema yase chavit shel shayatim, ce que je vous expliquais tout à l'heure. D'accord ? Ou mikol makom izer, shelo ikanes im begediam. Et si vraiment on doit rentrer là-bas, il fera attention de ne pas rentrer avec, si ce n'est qu'un vêtement en nylon. C'est-à-dire ? Le yavo l'idée, c'est ritatsea. Donc dans l'absolu, ne pas le faire, mais s'il le fait, ce sera dans certaines conditions. Le sport pendant Shabbat, c'est permis ou assour ? Les chèmes mitzvah. Parce que là, qui peut le sortir. C'est les chèmes mitzvah, je fais du sport. Non, pas pour le sport. Non, le sport quoi ? Non, pas pour le sport. Si c'est Dafka li t'amène, et pour le sport, c'est assourd. Mais si pour lui, c'est un plaisir de vouloir faire telle et telle chose, ce serait permis dans certaines conditions. Mais pas tous les poskim sont d'accord avec ça. Le Rav Kook disait ça. Il disait, si son plaisir à lui, ce serait de courir maintenant un petit peu, mais pas pour le sport, pas pour maigrir, pas pour... pour faire du sport, mais parce qu'il a envie de faire un kiff, on est que Shabbat, il pourrait le faire, voilà. C'est-à-dire, mais mieux vaut qu'il court pour l'étude de la Torah que de courir stam pour des plaisirs, style Belle Deschamps, tu vois ce que je veux dire. Marcher vite, c'est-à-dire qu'un vendredi soir, par exemple, qui voudrait, c'est un mélange de sport, de bien-être, de digestion, ça serait... Si tu vas, il faut toujours donner Shabbat une explication à ce que tu fais. Le stam n'existe pas non plus pendant Shabbat. Ce qui fait que si tu marches vite... Déjà, tu entraves un interdit des prophètes qui disent, Im tashiv mi Shabbat raglecha. Le Shulchan Aruch nous dit qu'on ne marche pas pendant Shabbat comme tu marcherais le jour de Chol. Donc, au sage de nous expliquer que le Shabbat d'Afka, on doit avoir un pas qui est beaucoup plus lent. Mais si maintenant, quand moi, par exemple, je viens à Tête Vav, je retourne à la maison, si je marche doucement, j'arrive à quoi ? En 9h en été, je vais arriver à quoi ? À 9h30 ? C'est pas possible. Donc, je suis obligé d'aller vite. Donc ma réponse est que comme je suis attendu de l'autre côté, qu'il va être déjà tard, que donc je vais accélérer le pas. Mais je n'accélère pas le pas pour mon plaisir. Parce que quand tu arrives et que tu fais en plus 8 étages à pied, avec 4 km dans les jambes ou 3 km, je peux te dire une chose, c'est plus un plaisir, c'est une galère.
Mais comme c'est pour le tzor et c'est bourg, c'est aussi. Sachez que tout dépend essentiellement des kavanot. Tout dépend essentiellement des kavanot. Tov. Faire essentiellement attention aux poils, aux cheveux, si tu es rentré dans la piscine. La piscine pour les hommes, je l'ai déjà expliqué, quelqu'un m'a demandé la référence, c'est dans Mishnah Brura, vous pourrez regarder, et pas que lui d'ailleurs. Ilchot Tfilin, là-bas le Chafetz Chaim, il rapporte que la piscine, Maim Sheubim, est kasher lechatrila pour un homme, uniquement pour un homme, pas pour une femme, pas pour des kelim. Là-bas il dit Bichlal lechatrila, pas bediavad. Donc celui qui a une piscine peut tout à fait faire son mikvé dans la piscine. Ritsa besfog. A-t-on le droit d'utiliser une éponge? Mishum srita asur. Bechol ha'ofanim shehutar lelchotz b'shabbat. De toutes les façons possibles de se laver pendant Shabbat, qu'on a énumérées. Isaiah shelo lichotz b'matlit. Il ne se lavera ni avec un tissu ou un sfog ou une éponge. Gam lichotz b'mivreshet asur. Il y a même des mivreshot. Vous savez, pour se laver le dos, des brosses. On ne l'utilisera pas pendant Shabbat. Et là, imken, amivreshet i ma'alat se'arot a asuyot chomer synthéti, sauf si les poils de cette broche sont synthétiques. Ve'an se'arot tsefufot arbe. Et que les poils ne soient pas trop collés les uns aux autres, de peur que ça devienne une éponge. Ve'iyura. Yuchad al ilchatsa be Shabbat. Et dans ce cas-là, il faudrait aussi qu'elle soit spécialement faite pour Shabbat. Ça veut dire que, par exemple, moi à la maison, j'ai la brosse à dents du chol, qui est violette, non, qui est bleue, et j'ai la brosse à dents du Shabbat qui est violette. Je n'utilise pas les mêmes brosses à dents. Celle du Chol, elle est moyenne, celle de Shabbat, elle est souple, pour ne pas faire saigner les dents. D'accord ? C'est très important d'avoir une brosse à dents pour Shabbat. Ah, mais question. Quand on se brosse les dents Shabbat, après on rince la brosse à dents. Alors si on n'a pas envie de brosse à dents souple, tout le temps, et qu'on ne saigne pas les dents, jamais. Donc on peut se brosser les dents Shabbat. Et tu peux la rincer aussi. On peut la rincer, tu sais comment je fais, moi? Tu vois, ce que tu veux dire, c'est Avdin Nechol. C'est-à-dire que tu prépares déjà pour l'autre. On n'a pas le droit de la rincer pour Shabbat. Alors, stack shift, toi. Si, si, tu peux le faire et tu vas expliquer, tu vas écouter ce que moi je vais te dire. Comment je fais, moi? Je vais t'expliquer, c'est très simple. Laisser une brosse à dents avec laquelle tu t'es brossé les dents. Ça y est, crade qui est en train de couler avec le dentifrice, ça s'appelle mouse. Vous avez gamma sourd, c'est pas hygiénique, c'est pas beau, c'est pas propre. Et c'est dégoûtant. De l'autre côté, tu ne peux pas la préparer pour. Alors c'est très simple. Tu te brosses tes dents, comme je fais à chaque fois. Ensuite, je la rince. Et avant de la poser, je me redonne un coup sur la dent. C'est-à-dire que je réutilise laver pour Shabbat. Vezé moutard découle alma. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème de le faire. Et ta brosse à dents, elle est posée. Parce que laisser une brosse à dents couler avec le... Excuse-moi, mais... Faites ça, vous. Bon, c'est pas les dents, alors. Si je brosse, mais je la rince. Chat! Abidaoul! C'est quoi une brosse à dents lisse? Aval, Mamash le Tachles, qui me demandait chez Eken Moutar. Parce que c'est un dîme de Maous. Par exemple, la Seouda Shlichit, est-ce que je peux la débarrasser ou pas? Non, parce que j'ai plus de Seoudot. La troisième Seouda de Shabbat. Vous savez? Aval. Les poskim nous disent que si on a laissé ça, maintenant en été, par exemple, il y a des mouches, il y a des moustiques, et que ça va me déranger, le vada que j'ai le droit de la débarrasser, même pendant Shabbat. Ça veut dire que si c'est sale à mes yeux, que c'est ma guiloti, souda shishit, je peux toute la prendre et l'emmener là-bas de l'autre côté. Mais pas, je vais commencer à mettre le pot de vase sur la table, comme si c'était déjà le chol. On laisse tout dessus. Surtout que je vous rappelle, comme je vous l'ai déjà expliqué, que, bisyata d'Ishmaïa, il est impératif de laisser la nappe de Shabbat pour la Seouda Rivit. Il ne faut pas enlever la nappe, laisser la nappe et remettre toutes les salades. Et ceux qui auraient des problèmes de Parnassa, est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de Parnassa? Qui n'en a pas? Hein? C'est comme l'autre, il est venu me voir et me dit, putain, ça fait une semaine que je suis arrivé en Israël, j'ai déjà un découvert. Je lui disais que c'était déjà israélien. Le mec, il est déjà israélien, tu vois. En une semaine, il m'a dit, je suis en découvert. T'es israélien. Ici, c'est le pays des découvertes. T'as vu qu'il t'aurait la Inyan. La Seouda Réveillit, celui qui veut Bezrat Shabbat Parnassa, Badoukoum Moussé, il a sa table de Shabbat et il remet tous les bons plats. Il met la même table que le vendredi.
Voilà, c'est la même qui doit être mise, même s'ils ne mangent rien. Même s'ils ne mangent rien. Tu les mets là-bas. Pourquoi ta shrina, elle est toujours là. Mais lavé malka, tu ne manges pas pour toi, tu manges pour accompagner. Surtout, quand tu as des invités qui repartent, tu as, avant de partir, manger quelque chose. Tu raccompagnes le roi avec encore un repas. Le roi, il te bénit. De quoi bénit Akadosh Baruch Hu ses enfants, surtout s'il raconte l'histoire du Baal Shem Tov à cette table-là? De quoi est-ce qu'il est béni? Il dit, Ratson, que tu aies une très bonne parnassa cette semaine. Voilà. Donc, avis aux amateurs, ceux qui veulent une bonne parnassa, Melave Malka. Et comment on fait Melave Malka? Eh bien, on mange Seuda, Shlishit, Beito Bismano, avec du pain. Avec du pain. Avec du pain. Je sais que dans les coups de Sirach Ramour, si tu ne veux pas manger du pain, tu es amour, tu ne peux pas. Avec du pain. J'en parlerai à tête va parce qu'il y a pas mal de gens qui mangent malheureusement pas assez de pain pendant Shabbat. Il faut manger du pain, mais aussi il faut avoir quoi manger avec le pain. Donc, il faut manger du pain. Ok, Botaïs Damout. C'est que la date, il faut manger du pain. J'ai parlé avec Kitoussi qui m'avait demandé de faire un cours sur ça. Loutsodek, Beblin Eder, à mon prochain apparition là-bas à tête va, je viendrai parler au Tzibourg de l'importance de manger du pain, même si il y a des poskim qui disent qu'en mangeant, pour réparer Aedz, pour réparer Ha Adama, pour réparer Mizunot, et Tzaïd Echova. Tidou la chemifia sot, c'est l'eau, nachon, nachon, nachon. Les filles à la chasse, si vraiment. Mais, vas-y, si vraiment. Ben, la réponse est simple. Qui t'a dit de te goinfrer pendant la deuxième Seouda? Si t'es intelligent, tu sais que t'as une Seouda shlichit. Alors, mange pas comme un malade, Seouda shnia. Pas shoot, merde. Le Rambam qui dit un réval de. Oui, mais le Rambam n'est pas valable dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que ce que dit le Rambam, c'est pour la semaine, mais pas pour Shabbat. Shabbat, tu peux manger à satiété. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que si tu viens manger le Shabbat Kodesh, comme on l'a fait à la française, c'est évident que tu ne peux pas t'en sortir. En Israël, je t'abbar shemolad, notre beau pays qui est Israël, eh bien, tu finis la prière en général vers 10h30. C'est-à-dire, tu commences à 8h, 10h, c'est 2h30 la prière. Une prière normale de Shabbat matin doit durer 2h30. Plus, il n'y a pas besoin. C'est de la pleuriture. Il n'y a pas besoin de plus. Ce n'est pas de l'opérette, il faut prier, faire la Torah. Fais vite les ventes, un petit bar Torah, deux halakhot à la fin, comme ça c'est Shabbat Kodesh. Donc tu rentres à la maison à 10h30, 11h moins le quart, tu fais ta première Seouda. En Israël, on fait tous comme ça, on mange vers 11h moins le quart, 11h maximum, ok? À midi, tu as fini ta Seouda. Tu fais ta Seouda Shlishit à 3h, tu as laissé, attends, mais si tu fais à la française, ah non, 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 moi je peux pas, tu comprends, à 1h30, je commence ma Seouda, tu vas rater Seouda Shlishit. Et comme je vous l'ai déjà dit, je le répéterai encore, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est parti à l'âge de 120 ans de ce monde, ne s'est vanté de rien de ce qu'il avait fait. Dieu seul sait combien il a fait, sauf d'une seule mitzvah. Je n'ai jamais raté Seouda Shlishit avec du pain. Les gens commettent une erreur fatale de rater. Pourquoi? Qui en Seouda et la Bepat Lechem. Et la plus importante des trois Seoudot de Shabbat, la plus importante, c'est la troisième. C'est l'enseignement qui disait que pour Hachem, après 120 ans, il nous dit. La richonne, tu l'as fait tous les jours. La chenille, tu l'as fait tous les jours. Non, en faisant la chenille, tu rends. Tu es gentil de dire que c'est moi qui l'ai enseigné. Tu rends la richonne et la chenille. Et la chenille. C'est pas un enseignement de moi, c'est un enseignement du Sefer Imre Chen, qui prouve pourquoi la troisième Seouda est la plus importante. Parce que les anges accusateurs arrivent à dévier le sroud de la première Seouda. Il dit pourquoi tu lui donnes un salaire parce qu'ils ont fait le kidouche en mangeant couscous boulette le vendredi soir. Alors que je te rappelle que tous les soirs, ils mangent aussi quand ils rentrent à la maison. Donc ce n'est pas vraiment en ton honneur, parce que de toute façon, ils ont mangé le dimanche, le lundi, le mardi. Quand vient le samedi midi, il dit, pourquoi ils ne mangent pas le midi? Alors Hachem, quand est-ce qu'il les attrape? Il leur dit, Oufren, Batsaoraim, en plein après-midi, qui mange dans le monde? Personne. Il dit, la troisième Seouda viendra prouver que les deux autres étaient aussi en mon nom. C'est-à-dire que celui qui rate Seouda Shlishit, le Shulchan Aruch dit, Michelo Asa Seouda Shlishit, Keil ou Lokiem Seouda Rishnia, il a perdu aussi le mérite de la deuxième Seouda. Hein? Oui, ça c'est encore autre chose. Les ségoulottes, tu parles de ségoulottes. Il y a Yosef qui pose la question concernant le. Quand on prend une douche, avec un certain nombre de litres d'eau versée sur nous, est-ce que c'est comme si on. C'est comme un mikvé? Le Ben Ishraï ramène un mamar du Harizal dans son livre Ilchot Ben Ishraï, Teshin Kabin. Mazé Teshin Kabin, il y a plusieurs façons de faire un mikvé pour un homme. Il y a où il se trempe dans le mikvé ou dans sa piscine, où il verse, il prend la douche et il laisse couler Teshin Kabin. Combien c'est Teshin Kabin? 12 litres d'eau. C'est 12 litres d'eau. Le Ben Ishraï rapporte encore une chita de mikvé, de façon de pratiquer le mikvé.
c'est 40 fois Netilat Yadayim. C'est-à-dire, tu prends ton keli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 40, mais il faut avoir les kavanot du nom de Shem Ekiye, Beshem Adnout, Beshem Elokim, Beshem, il y a des kavanot à avoir. Allez au Migvé, c'est mieux. Voilà. Moi, une fois, j'étais parti au Migvé, j'étais à Ramon Anatsiv, Tibanev et Tikonen, j'étais au Migvé, et le Migvé était fermé parce qu'un enfant avait fait ses besoins dans l'eau. Donc, ils ont fermé le Migvé, il fallait vider l'eau, et patati patata. J'ai appelé mon rabbe, je lui ai dit, le Migvé est fermé, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, plonge-toi dans l'étude de la Torah. La réponse de mon rabbe. On pose une question de Betty qui nous dit, alors, au niveau des Chabad qui passent plein de patriou, comme ça, de faire la troisième Seouda. Chabad ne font pas la troisième Seouda parce que, selon le rabbi de Lubavitch, eh bien, son mérite nous protège. Gog ou Magog, pour lui, a déjà eu lieu, c'était la deuxième guerre mondiale. De ce que j'aurais entendu, je ne l'ai pas lu de lui, pourtant j'étudie les écrits du rabbi, je ne l'ai pas encore lu. Mais certains Chabad, que j'estime être Tamit Racham, en tout cas, m'ont dit que le rabbi avait dit que voilà, il n'y aura plus de guerre mondiale, il n'y aura plus ceci, tout ça. Moi, je suis cholèque sur ça, je ne suis pas du tout d'accord, même si je suis qu'une poussière sous ses pieds. Je ne suis pas d'accord et je peux, tout comme lui, amène des preuves. Moi, je peux en amener autant qu'il veut. Autant qu'il veut. C'est que les prophéties de la guerre de Gog ou Magog ne sont pas encore accomplies. Toutes les nations du monde ne sont pas montées contre Israël. Le bord du rivage de Yafo n'est pas rempli de bateaux de guerre. Donc, j'ai un problème avec ça. Il y a des choses qui ont été expliquées par les Chachamim qui ne sont pas passées. D'autre côté, ce n'est pas une preuve non plus ce que je dis parce que, quelque part, les prophéties qui sont négatives, si on fait tchouva, ne sont pas forcées de s'appliquer non plus. Ma réponse est qui vivra verra. Mais les poskim, eux, sont restés les mêmes, la Torah est immuable, et que même si la guerre de Gog ou Magog, sa ségoula, c'est la troisième ségoula, il n'empêche qu'il y a beaucoup plus fort que d'une ségoula, c'est-à-dire d'un remède pour survivre à la guerre de Gog ou Magog, c'est ce qu'on vient de dire juste avant, il y a trois ségoulotes, et la Torah elle nous donne ces trois séoudot dans la paracha de Béchalach. Quand on vient ramasser le pain, il est marqué Ayom, Ayom, Ayom dans le même verset, trois fois le mot aujourd'hui tu mangeras, aujourd'hui tu prendras ton pain. Et cela vient nous parler des trois séoudot qui n'ont rien à voir avec la guerre de Gog ou Magog. Donc même si le rabbi aurait eu raison, même s'il aurait eu raison, chez Vim Panim la Torah, eh bien, il y a d'autres raisons vachement plus valables pour faire Seouda Shlishit. Je suis contre le fait de ne pas faire Seouda Shlishit. Quand je dis je suis contre, c'est tous les livres qui sont ici, sauf le rabbi peut-être, et je ne l'ai pas lu au nom du rabbi. Je ne connais pas un possek qui s'est permis d'annuler Seouda Shlishit. C'est comme si que moi, demain, je viendrais vous dire, c'est la Géoula qui a besoin de faire Shabbat. Quand on est le rabbi Lubavitch, à son niveau à lui, on peut dire ce qu'on veut. À mon niveau à moi, on ne dit rien, mais ici, il y a des aigles de la Torah. Et quand je vous parle des aigles de la Torah, je vous parle d'aigles de la Torah. Les plus grands de ce monde n'ont pas annulé Seouda Shlishit. Donc, celui qui est Chabad, assez les Harab, il a qu'à au maître de faire ses Seouda Shlishit. Nous sommes Sfaradim, nous avons Baruch Hashem, des lions dans la Torah sur qui on peut compter comme Rabbi Yosef Karo. Nous avons le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, le Rav Ben Tzion Abashul dans Orle Tzion. Nous avons Rabbi Yehuda Tzadka, Rabbi Ezra Atia, tous les Gdolim, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Ben Ishraï et Baruch Hashem, on a sur qui compter. Il y a beaucoup de gens qui vont aller selon la Shita, comme une Sfaradia qui m'a appelé en me disant, pendant Sukkot, un Chabad est venu lui donner Lulula pour qu'elle dise la bracha dessus. Je lui ai dit, ce Chabad, vous avez fait une Avera, pas une Mitzvah, parce que vous avez fait bracha Levatala selon le Shulchan Aruch. Je rappelle que les lois Chabad, prescrites par le Admour Hazaken, basées essentiellement sur le Magen Avraham, sont bien. Manu, Machaï, le Rav Yosef, le même les prend en référence. Aval, nous les Sfaradim, nous avons Rabbi Yosef Karo. Il serait temps qu'on retourne un petit peu à la maison. C'est bien. Il serait temps que... moi, je peux étudier... J'étudie le rabbi Lubavitch, mais ça ne fera pas de moi un Chabad. J'adore le rabbi personnellement. Je trouve que c'est un homme qui a dépassé des dimensions extraordinaires. Mais ça ne fera pas de moi un Chabad. Je ne veux pas mettre une corde autour du cou, autour de la hanche. Je pars sans un chapeau pointu. Non. Ce n'est pas ça qui doit faire de nous ce que nous sommes. Je suis attaché à Rabbi Nachman de Breslev. Vous ne verrez jamais avec Streimel ou un pompon blanc sur la tête. Je m'appelle David Twitou, je suis ce que je suis, mais par contre j'adhère énormément à leur étude, leur sagesse, et pour moi leur vie est un enseignement talmudique, extraordinaire, et Iratson, qu'on apprenne beaucoup du Rabbi Lubavitch. Il y a beaucoup à apprendre de lui, mais avec tout le respect que je dois,
je suis d'origine tunisienne et mon maître c'est Rabbi Yosef Karo, une kol hakavod, et je ne changerai pas pour autant les lois de mes ancêtres. Chez Nehemar, Shema Beni Moussar Avicha Ve'al Titosh Torat Imecha. D'accord ? Voilà. Moi, ça me fait rire quand je vois. Ça me fait rire un peu. C'est pas méchant, mais ça me fait rire. Quand je vois, cette semaine, il y avait un feuillet Lubavitch, un Kenes Lubavitch. Je voyais Rav Bouzaglou, Rav Hwenener, Rav. Ça me fait rire. Je trouvais ça mignon de trouver des Marocains, des noms purement sfarad, Minag Ashkenaz. On ne change pas de Minagim et on. Non, on ne fait pas ça. On peut tout à fait être quelqu'un qui étudie la Torah des autres, mais n'oublie pas que ta valeur, ta Torah, a une valeur inestimable. Alors une fois, quelqu'un a répondu à son père en l'envoyant balader, « Toi, tu m'as rien donné, le Rabbi m'a tout donné. » D'abord, c'est un manque de gratitude extrême, même si le Rav passe avant le père, il y a le respect des parents. Et sans ton père, tu ne serais pas vivante. Comme ça, j'ai répondu à cette personne qui t'a malgré tout amené à être ce que tu es aujourd'hui. Lui, il n'a pas eu la chance d'avoir ce que toi, tu as eu quand il est venu en 1952 en France, de Tunisie. Eh bien, lui, il a dû changer de langue, de culture. Il a dû se battre pour te nourrir. Et maintenant que tu es grand et qu'un Lubavitch t'a fait faire tes chouvas, n'oublie pas que ton père, lui, s'est battu à la sueur de son front pour te faire grandir dans des écoles, t'apprendre un métier et tout le reste. Remettons un peu les choses à leur place. Il y a beaucoup d'ingratitude et beaucoup de jugements qui sont jetés comme ça au nom de certaines idéologies, ce que je trouve franchement dommage. Voilà. Je finirai juste avec cette parenthèse que j'aime tellement dire. Arrêtez de vous attacher à des photos et des... Et il m'a donné un dollar. Et arrêtez avec ça. Au lieu d'acheter le dollar du Rabbi Lubavitch, 3000 shekels, allez étudier pour 2000 shekels, acheter tous ses livres, étudier ses œuvres. Les gens, tu vas chez eux, ils ont la photo du Rav Israël au dessert. Mais il n'y a pas un livre. C'est stupide. Les gens qui ont la photo du Rabbi, même sur la montre, ou la kippa. C'est bien, si tu veux. Mais, où est-ce qu'ils ont mis les livres du Rabbi ? Voilà. Ils sont ici, les livres du Rabbi. Celui qui les veut, il les prend. La photo, elle est d'autre côté, là-bas, dans la cuisine, parce qu'on ne veut pas les mettre dans la synagogue. Le Rav Kook, pareil, il a sa photo, mais il y a ses livres ici, derrière. Ce qu'il faut, savoir les livres et étudier qui était le personnage qui parlait. Et là, vous aurez une autre image de ce qu'on a l'habitude de vous montrer en vidéo. De ce grand personnage qui était tout le temps en train de danser. Attachez-vous à ce qu'il était. Attachez-vous à ce qu'il a fait. Ne nous attachez-vous pas à une photo ou... Ah non, moi je suis Chabad. Une fois, je vous promets, en voiture, c'est pas une blague. Hein. Ce que je vous dis, c'est réel. Je ne me moque pas, je ne viens pas critiquer. Je vous parle d'un truc réel. On était en voiture, et quelqu'un lui dit, mais vous êtes juif? Il lui a dit, non, je suis Chabad. Bon, c'est un cas isolé, certes, mais je me suis retourné, j'étais en train de conduire, j'étais mort de rire. Bon, il y a des gens qui disjonctent. On a perdu un peu le fil conducteur. J'aime bien ça. Hein? Une fois que vous avez raconté l'histoire, justement, de ce 1 dollar que le rabbi donnait, mais le rabbi l'a dit, c'est pas un secret. Moi j'ai étudié avec à Los Angeles, il y avait un représentant du rabbi qui avait été envoyé par le rabbi à Los Angeles, un très grand Talmid Chacham. Pas un méchichiste qui se prenait la tête, il n'y avait jamais Bivant Machachno ou Ichia Rabbi, jamais. Un Talmid Chacham qui est décédé de la maladie malheureusement, un homme que jamais je faisais beaucoup de séminaires avec lui, passé avant moi. Je m'assieds avec lui, il avait des histoires. Un tzaddik, vraiment un homme qui a. Tous les gens de Los Angeles sont connus. Dès que tu donnes son nom, j'ai oublié malheureusement son nom, tout le monde te dit « aïe, ça fait mal d'avoir perdu un homme pareil ». Et lui-même l'a dit que le rabbi donnait un dollar pour faire la tzedaka et ce dollar devait être donné aux autres personnes pour que les enfants d'Israël amènent, comme c'est marqué « Yerushalayim bitzedaka tipadeh », c'est par la tzedaka qu'on libérera Jérusalem et qu'on aura la Géoula. Donc le rabbi a lancé ce truc et nous on en a fait un gris-gris. « Ah, j'ai le dollar du rabbi, ça y est, je suis riche ». C'est dommage. D'où il avait tout cet argent? Il faut démolir. Hein. Vous voulez faire un cours sur le rabbi là ou sur les lois de Shabbat? Une fois vous avez raconté justement que justement personne ne savait justement comment il fallait faire le pan de Brooklyn. Et c'est le. Vous-même vous l'avez raconté, vous rappelez ou pas? Oui.
Et lui, il avait les plans. En lui-même, il avait les plans. Il les a donnés. Il a dit, combien qu'on peut vous donner? À chaque voiture qui passe, vous donnez un. Exactement, c'est exactement ça. C'est lui qui a fait les plans du pont de Brooklyn, exactement, le pont de New Jersey, là, enfin le grand pont, et pour le récompenser. Top. Tu sais, je vais te dire une chose. Au niveau du Rabbi Lubavitch, il aurait demandé à Hachem de lui remplir les caisses comme Rabbi Shimon Baruch Hay, à mon avis, ça se serait réalisé. Rabbi Lubavitch, c'était une dimension. C'est rare, et j'ai connu deux personnes comme ça, où tu vas chez eux et tu entends ce genre d'histoire. Ceux qui vont chez Rabbi Nachman de Breslev, et je vous parle de la petite cousine de ma mère qui n'était pas du tout religieuse, mais alors pas du tout, jamais fait Shabbat de sa vie, rien. On lui a proposé de faire un voyage à Ouman pour les femmes, elle part là-bas, elle met la main sur la tombe, elle s'effondre, elle revient, Shomeret Shabbat, Shomeret Mitzvot, et elle me dit avec des larmes, je l'ai rencontré, je dis, mais quoi, t'as acheté une plata de Shabbat? Oui, je suis Shomeret Shabbat aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je sais pas. Et le deuxième personnage qui a été capable de casser comme ça la clipa, c'est le Rabbi Lubavitch. Combien de gens sont partis voir le Rabbi Lubavitch, sont revenus, changés, et ils ont fait une teshuva. Ma mère m'a dit que quand elle est arrivée devant lui, elle m'a dit, j'ai vu un ange de Dieu, je ne voyais pas un homme, une lumière comme ça, c'était un grand. Puis voilà. Il y en a d'autres, ils ont une force extraordinaire. Chacun son domaine, c'est comme l'armée. Il y en a d'autres qui rapprochent les gens, il y en a d'autres qui vont enseigner aux gens ce qu'il faut faire. Chacun son truc. Ensemble, tous ensemble, si Dieu veut, qu'on est tous capables de s'aimer, de se respecter. C'est ce que je reproche un peu, moi, personnellement, au mouvement Chabad. Respecte aussi l'origine de l'autre. Il est sfarad, n'emmène pas dans ton monde. Il étudie dans Avodat Hashem, pas Tehillat Hashem. C'est pas la même prière, c'est pas notre culture, c'est pas notre prononciation. Ne fais pas ça. Parce que le rabbi n'a jamais demandé ça. J'ai demandé ça à des Tamidei Chachamim Lubavitch, ils m'ont dit effectivement, jamais. Ça, c'est le mouvement. Et ça, c'est un problème pour moi. Un Sfarad va étudier, lire dans un Sidour, faire le Birkat Amazon, des Sfaradim. Et d'où Tamizrach. Pas Lubavitch. Lola Sod Avar Kazé. Ce n'est pas la même prière. C'est là. Aval Manasse. Ritza Bémé Sabon, a-t-on le droit d'utiliser le savon? C'est une très, très grosse marloquette. Ouh là 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 là. Très grosse marloquette. Ilan Tal, peut-on utiliser du savon pendant Shabbat? Vaut mieux. Liquide, dit-il. Il y a des poskim qui disent que celui qui utiliserait du savon pendant Shabbat, du savon dur, hein, je parle comme savon de Marseille ou autre, c'est comme si qu'il aurait travaillé Bichlal pendant Shabbat. Ad kedekach la marloquette. Hein? Mais là, d'accord, mais là, on ne va pas dire que tout le monde pue. Dès que je vous parle de savon, bah, si il pue, il peut. Hein? Le mieux, c'est d'utiliser uniquement du savon liquide. Aujourd'hui, tout le monde en vend, même dans les petits supermarkets. Le savon liquide, il n'y a aucune marloquette là-dessus. Zemuta. Ben Rikitsat Yadaim, soit pour les mains, pour le corps, un baiser Shumba. Il y a le savon liquide. Veyesh Materim, les Shtamesh, le savon Ragil. Le marloquet Gdola, mais il y en a qui disent que même le savon ragil, ce n'est pas une melacha. J'avais étudié dans d'autres Shulchan Aruch que Béhemet, il y en a qui disent que c'est strictement assour. Okay. Aval, ici, le Rav Ovadia nous dit Moutar l'ishtamesh besabon ragil, ou bish atatra, que si vraiment, dans un cas de force majeure, je n'ai qu'un savon dur pour me laver, je peux l'utiliser car j'aurai sur qui compter. Vene bishimush sabon yesh ladun bishne isurim, alef. Issur Nolat, quels seraient donc les deux interdits que je ferais avec le savon? Un, Issur Nolad, comme si je fais naître quelque chose de nouveau, c'est-à-dire faire de la mousse, petit un. Et deuxième Issur Memahek, on n'a pas le droit d'effacer pendant Shabbat, c'est-à-dire de le rendre lisse, puisque je vais le rendre lisse. Deux Issurim. Bien, Issur Nolad, Itabeg Maramaschet Shabbat Nounalef Amoudalef, Amoudbet, Anu Rabban En Mesarkin, Lomesh. Bon, ça c'est la Gemara. Et Tachalek Vélo est à Barad, et Shabbat. Donc on ne vient pas faire comme ça avec la neige ni le Barad avec la glace. Avant l'hôtel ou le Tochakos, Véno Khoshesh. Quel hôtel? L'hôtel, c'est ça. Ça, c'est encore. Là, tu as raison. Psychrecha de l'onichale, Aval, ça vient rajouter pour le permettre. Là, il dit que le Issour, il est malgré tout là. Tu comprends ce que je veux dire?
Il ne donne pas ici le nom de celui qui interdit. Il y a un très grand possède qui interdit formellement d'utiliser le savon. Donc celui qui pourra éviter, t'avoir la beracha, et celui qui ne peut pas éviter, eh bien il pourra l'utiliser malgré tout. Est-ce qu'on a le droit d'aller au mikvé? Vous savez que les chassidim, Lubavitch, Breslev, Vejnitz, Belz et autres vont au mikvé tous les jours. Car il est évident que celui qui va au mikvé tous les matins, sa prière ne ressemblera en rien à celui qui ne va pas au mikvé. Bevadai. Je ne sais pas si on peut au mikvé. Hachaelaï, est-ce qu'on doit aller au mikvé ou pas aussi pendant Shabbat? Imani Zohar était, quand j'étais au Kollel, près de mon rab, le Rav Garbian Shlita, Shibadel Haïm Arukim, on avait étudié, je crois, le Chacham Tzvi, il disait que celui qui va au mikvé pendant Shabbat, Chacham Tzvi, je me rappelle bien, je parle de ça il y a 20 ans en arrière, c'est pas évident pour moi de me rappeler de tout, il faut absolument éviter d'aller au mikvé, surtout si c'est à eau chaude. הרב, אולי אתה זוכר איזה חכם זבי שהיה אומר שיש בו כללה מי שולך למקווה בשבת במים חמים. חכם זבי? אני זוכר ככה בכולל. וואלה, לפוסק הלכה אלילה לרב משיח היקר, אם די אפקטיבנס לחכם זבי, שיסה הבנת אנג' מורה פלפליק זה כתמון, כי דיזה כסין פרסן פסה, אילה פרפס של הברכה מלכללה, למלדיקציון. סביבו מקווה פנון שבת, הלו שוד, פעל לו פרועד, לו פרועד זה סחפרמי. בואו נראה עכשיו. Assur l'idva bimigve imaim chamim. Il est interdit d'aller dans un mikvé d'eau chaude pendant Shabbat. Elaim ken em pochrim. Sauf si l'eau est tiède. Bechol shamaim chamim le ma'ala mishlosha mishloshim vesheva ma'alot. Si l'eau du mikvé est à plus de 37 ma'alot, en ilchotz ba'em klal. On ne rentrera pas du tout dans ce mikvé pendant Shabbat Kodesh. C'est clair? Vechomrim shav shepochrim assur l'idbol. Il y a des poskim qui disent que si elle n'est pas froide et qu'elle est moyenne, c'est-à-dire les pochrim, comment on dit pochrim? Tiède, gamassou. Rak bemaim tsolini mutar, mikol makom la fik tsenatam mutar. Donc si maintenant l'eau est froide et que je peux même la rendre froide, je peux attendre qu'elle refroidisse, ce serait permis. Veisha shechal tvilata belel shabbat. Une femme dans ce cas-là qui va au mikvé le vendredi soir, elle n'a pas le droit de repousser son mikvé, chas veshalom, au dimanche. Sauf pour des raisons valables. Trop de monde à la maison, c'est le mikvé, il faudrait prendre la voiture pour aller parce qu'il est trop loin. Dans ce cas-là, il faut faire chez la tracham. Oui. Aval, si elle peut aller au mikvé et que ça la saoule d'y aller parce que c'est vendredi soir, attends, Shabbat, j'ai pas envie. Cette femme fait une avéra. Parce que si Dafka, il y a un jour qui est une grande mitzva où le créateur du monde se réjouit de cela, c'est d'aller le vendredi soir avec sa femme. Donc le mikvé, Shechal, Yom, Shishi, Baerev, Belel, Shabbat. Zamikvé, Achi, Achi, Yafé, Sheyesh. Lama, Kizé, Zivugim, Bashamaim, Zivug, Yafé. Surtout que pendant les trois jours du mikvé d'une femme, pour une femme qui est normalement réglée, c'est l'ovulation. Donc là-bas, t'as mafsid a dit. Aval matay tilech lidval ba mikvé. Quand est-ce qu'elle ira au mikvé? Matay tilech. Hein? Avant Shabbat. Il a fait. Rattrila reushit idbol beben hashmashot. Elle va pas. Elle va quand? Ben hashmashot. C'est-à-dire, ça fait kiyom, ça fait klaïla. On ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Au mikol makom yefshar la litvol ben ben hashmashot. Yechola litvol belel shabbat velo titret vilata le motzei shabbat. Dans ce cas-là, elle pourra aller au mikvé même quand shabbat est rentré, quand il fait nuit, tant qu'elle ne repousse pas son mikvé à motzei shabbat. Elle ne doit pas le repousser le motzei shabbat. C'est bien. Juste un instant, je voudrais finir avec ça. Arab. On va pouvoir échouer à Filou, Peshabbat, il est à l'idval Bamigvé, chez l'Ochola, à Filou, Filou, Bamim Chamim. Indrera. D'accord. Parce qu'ici, il ne finit pas en disant, même si l'eau est chaude, moi c'est comme ça que je le comprenais, mais on parle de la chapeau être sûr. Le Rav Ovadia, il nous dit le Rav Mashiach au fond, il disait qu'il ordonnait aux balaniotes, celles qui sont responsables du mikvé, d'ouvrir le mikvé avant Ben Hashmashot pour que les femmes puissent aller au mikvé Ben Hashmashot à cause de l'eau chaude, tout ça à cause de l'eau chaude. Mais si maintenant
la femme n'a pas eu le temps parce qu'elle a les enfants à la maison, elle ne peut pas faire, comment on dit, être au four et au moulin. Si maintenant elle doit aller, alors que Shabbat est déjà rentré, elle a allumé ses bougies et qu'elle va à pied au mikvé et que l'eau est chaude, eh bien, dans ce cas-là, elle pourra malgré tout rentrer dedans, puisque c'est les tzorech mitzvah et l'eau, les tzorech ta'anoug. C'est pas pour le plaisir, c'est pour la mitzvah. Malgré tout, elle pourra le faire. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Il reste Mishrat Shinaim, Yalakal, Achal, Shtamesh, Mishrat Shinaim, Beshabbat, Vedakal, Ele, Shogelou, Bekar, Ve'en, Chachash, Yotim, Yamdan, Mishanim, Mechain, Chaim, Ve'et, Shishuf, Shuf, Mevrechet, Aval, Imi, Shelo, Urgal, Bekar, Raoul, Achmir, Shelo, Yishtamesh, Ben. Celui qui a l'habitude de brosser les dents tous les jours pourra le faire pendant Shabbat, en deux mots. J'espère qu'il se brosse les dents tous les jours. Ve'echol, Yishtamesh, Be, Me, Pe. Il y a aujourd'hui le. Il y a du brosse à dents nozli, liquide, de la pâte liquide aujourd'hui. C'est bien d'avoir une mibrechette, comme je l'ai dit tout à l'heure, une brosse à dents pour le Shabbat, une brosse à dents pour le Chol. Et pourquoi il faut avoir ça? Pour pas qu'on dise qu'il fait comme il fait la semaine. Il fera attention. Oh, voilà la réponse. De ne pas rincer sa brosse à dents. Malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il ressemblera à quelqu'un qui prépare pour le chol, donc il ressemblera à quelqu'un. Le mieux, c'est comme je vous ai dit de faire, c'est quand je me brosse les dents, je la rince. Une fois qu'elle est rincée, je me rebrosse les dents donc pour Shabbat. Si j'ai besoin maintenant qu'elle soit propre, pour... je repasse un coup comme ça sur mes dents qui sont propres maintenant, et je la pose. Yatsa yedechova, beza adavar, achi, tov venachon, l'asod. Chitza bime bosem, mutal yichot, spana veregda bime bosem. On a le droit de se mettre donc de l'eau de rose ou de ce que vous voulez sur le visage, les mains ou les pieds, il n'y a pas de problème. Mais on ne mettra pas de bosem, c'est-à-dire de parfum sur les habits. Faites très attention à cela. Ne vous habillez pas après vous mettez du parfum sur vous. Vous mettez du parfum de peur que ça touche les habits et c'est un dîne de molide pendant Shabbat, assour, sur la peau aux émoutards parce que ça ne reste pas en général. On a le droit d'utiliser le douchemèche pour les mains, les pieds et le visage et les kélim, les ustensiles pendant Shabbat Kodesh. Vous êtes Adkan les Chonino, Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. Kol Tov.